Ces travaux de démolition lancent la seconde phase du projet de reconstruction de l'école de Montebello. Un diagnostic réalisé pour le compte de l'Association des maires de Guadeloupe avait révélé sa vulnérabilité en cas de forte secousse sismique. Aujourd'hui, c'est chose faite, en tout cas chose en cours. Donc ces opérations vont se terminer la semaine prochaine et aussitôt commencera donc les opérations donc de construction de l'école de Montebello qui vont durer pratiquement 12 mois. Et tout ce que nous souhaitons, c'est que pour le mois d'octobre ou novembre 2013, cette école soit livrée et puisse permettre aux enfants, au cours de la rentrée 2013-2014, d'être à nouveau scolarisés ici à Montebello. Afin de ne pas pénaliser les enfants durant la période des travaux, 4 salles de classe temporaires ont été construites et aménagées sur le site de l'école de Carrère. L'opération représentait la première étape de ce projet. La destruction de l'édifice est effectuée par grignotage avec l'aide d'une pelle mécanique. Le terrain sera progressivement déblayé des gravats, bois et ferrailles qui seront triés. D'une superficie de plus de 1000 m², le bâtiment abritera 4 classes sur 2 niveaux, une bibliothèque, une salle de restauration et des bureaux. Notons que ces travaux prennent en compte l'évolution démographique du quartier. Le coût des travaux s'élève à un peu plus de 2 millions d'euros. Ils seront financés par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, l'État, le FEDER et la ville de Petit-Bourg.